moi pour cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Et n'oubliez pas d'appuyer également sur la petite clochette pour être prévenu quand je mettrai en ligne des vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le gâteau sirène que j'avais fait l'année dernière pour le Magalog de chez Audio. Donc la plupart de ce que je vais utiliser dans cette vidéo, vous pourrez le retrouver chez Audio. Je ne sais pas s'ils vendent en ligne, en tout cas ils vendent en magasin. Et je l'appellerai, parce que j'ai promis à Alessia, ma dernière, de l'appeler le gâteau sirène Alessia, tout simplement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser et toute la liste des ingrédients se trouvera en barre d'infos. Cette vidéo, c'est un peu la dernière pour le moment, donc je ne pars pas totalement. Je vais m'absenter quelques temps, mais je reviendrai le plus vite possible. Si vous voulez comprendre, savoir un peu ce qui se passe, vous pouvez vous abonner sur ma deuxième chaîne, Ramiquet Vlog. Et vous avez aussi la possibilité de trouver ici dans les playlists les vidéos que j'ai fait sur mon autre chaîne. Donc voilà, là-bas aussi vous pouvez de toute façon vous abonner. Donc on va commencer par le gâteau et on va enchaîner avec la décoration. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme je disais en tout début, si vous avez des questions, vous pouvez les poser juste en dessous. Je vous ai montré différentes techniques de décoration pour ce gâteau qui sont au final très très simples. C'est un gâteau qui fait son effet, qui n'est pas compliqué à faire.
Moi, je vous dis au revoir pour le moment. Suivez-moi sur Amikey Vlog parce que je vais continuer à faire des vidéos, mais je ne pourrai plus faire de tutos pour le moment. Donc, mais continuez à vous abonner parce que de toute façon, des vidéos, il y en a plein. Il y en aura encore d'autres, je ne sais juste pas quand, mais je reviens très très vite. Donc, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.